Le temps s'est arrêté ce mercredi 13 novembre 2019 sur Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Et pour cause, la première visite officielle de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Dr Nene Ilouankulu, en partance pour Kolwezi et Malembankulu, où elle va participer à la 5e édition du Forum national des mobilisations du monde du travail contre le VIH et le SIDA. 18h, heure locale, les Boeing 737 de la compagnie CAA s'immobilisent sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Au pied de l'avion, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa. Après les traditionnels mots de bienvenue, Dr Nene Ilouankulu affronte une longue file d'attente, obligé de serrer la main de tout le monde. Une des filles de la République démocratique du Congo, d'une manière en général, et en particulier de Malembankulu, nous sommes très heureux et très contents, d'autant plus que la nôtre arrive, elle se propulse, elle se distingue, nous pouvons que l'encourager. Son regroupement politique AFDC a resté fidèle à l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila Kabange est présent et mobilisé, décidé à envoyer un message musclé au reste du monde, qu'avec Nene Ilouankulu à la tête, ce regroupement impose ses marques et s'affirme davantage comme un regroupement d'envergure nationale. L'AFDC a constitué un grand nombre de députés nationaux qui arborent ces couleurs. Nous soutenons les actions du chef de l'État, nous soutenons les actions du FCC. Depuis qu'elle a été élevée au rang du ministre, elle n'a jamais piétiné notre sol. On a réclamé beaucoup qu'elle vienne nous visiter, qu'elle vienne nous saluer, que la terre de nos ancêtres la reçoive. Dr Nene Ilouankulu a été porté en triomphe par les Louchois, venus nombreux avec banderole, calico pour ovationner leur leader. Juste le temps de saluer le gouverneur Jacques Kiaboula, un cortège motorisé se forme les longs des artères de Lubumbashi, direction salle juridique House, qui a refusé du monde ce mercredi 13 novembre 2019. L'ambiance est électrique. Les Louchois, avec l'AFDCA, sont restés suspendus aux lèvres de celle que tous appellent Mamani Wetu. Entendez notre maman pour prendre la hauteur de certaines réformes engagées pour donner de l'emploi décent aux jeunes. Dans une salle électrisée, Nene Ilouankulu a expliqué aux jeunes que le temps de la manipulation des politiciens est fini. Le Haut-Katanga doit être uni derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, pour le développement du Haut-Katanga. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs.